Benjamin, aujourd'hui c'est photo officielle, centre-ville de Niort, au donjon. Alors pour commencer, pourquoi ce choix du donjon ? Bah, tout d'abord, la photo officielle, c'est toujours un grand rendez-vous dans la saison de tous les clubs. Cette année, on a choisi d'innover dans la continuité de la saison dernière et de sortir un petit peu du stade René Gaillard pour la photo officielle. Et donc, on a choisi aujourd'hui le monument niortais qui représente le mieux la ville et qui est vraiment un très bel endroit, je pense, pour la photo officielle cette saison. Donc cette année encore, si j'ai bien compris, ça va être comme la saison dernière, deux photos, une en costume et une en tenue de match. Oui, exactement. Les joueurs vont arriver en tenue Isaac, donc, qui est l'habilleur à la ville du club. Et ensuite, on va enchaîner avec une photo donc en tenue Puma, donc, qui est l'équipementier du club, comme chaque saison. Et puis, par rapport à la saison dernière, on a instauré une petite nouveauté, puisque les 15 partenaires majeurs ont été conviés cette saison à faire une photo officielle. Donc voilà, on a voulu remercier un petit peu nos gros partenaires et les intégrer à une photo. Donc ils auront chacun un poster officiel pour eux et à exposer dans leurs sociétés respectives. Justement, là, c'est devenu des partenaires, c'est comme tu le disais vraiment une façon de les remercier. Beaucoup sont là depuis des années. C'est important aussi de leur donner ce genre de choses. Exactement, je pense que c'est surtout un moment assez sympa et un peu différent. Bien entendu qu'on a régulièrement des rendez-vous et des moments où les partenaires peuvent rencontrer les joueurs et le staff. Là, on parle de DG, de PDG, de société, donc les 15 plus gros partenaires du club qui sont pour la plupart des partenaires historiques en plus. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on passe un moment avec eux et qu'on les convie. Steven, entre David Kiki et Junior. Voilà, entre David Kiki et Junior, ils vont écarter. Donc après l'Andais qui est à côté. Fab, avant dernier bouton, c'est bien. On va en faire plusieurs de toute façon. Comme ça, il n'y aura pas les yeux fermés. C'est parti. Exactement, on y va. Tu prépares le premier, Ben ? 1, 2, 3. 3, 4. Monsieur Bailly, bonjour. Vous êtes présent aujourd'hui pour la photo officielle des Chamois Niortais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre venue cet après-midi ? Alors la Maïf est partenaire depuis fort longtemps des Chamois Niortais, et je dirais que c'est bien normal parce que la Maïf est une grande entreprise, une grande mutuelle historique du bassin niortais. Les Chamois Niortais sont un club aussi historique et je le souhaite plein d'avenir de Niort. Et par conséquent, il était naturel, je crois, que Maïf et Chamois Niortais se retrouvent sur une dimension de partenariat qui vise pour la Maïf, par le soutien qu'elle apporte, à aider et à accompagner les jeunes, c'est-à-dire l'école de football des Chamois Niortais. Et nous sommes évidemment supporters de l'équipe première des Chamois. Alors ça fait de nombreuses années que vous soutenez les Chamois Niortais. C'est important pour vous de continuer ce partenariat ? C'est important de continuer parce que je le disais, c'est dans la nature hein, des relations entre la Maïf et son rôle d'entreprise locale d'aider, d'accompagner autant qu'elle le peut les clubs sportifs, mais aussi des associations culturelles. Je pense par exemple au CAC. Voilà. Mais toujours avec cette volonté de regarder en quoi le partenariat apporte quelque chose à la dimension éducative, c'est-à-dire à la formation culturelle, sportive de nos jeunes Niortais. Alors vous avez pu faire une apparition sur cette photo officielle au milieu des joueurs, ça fait quoi ? On n'a pas habitué à ça, j'imagine. Alors moi je suis un ancien footballeur, mais j'ai jamais joué à ce niveau de Ligue 2. J'ai joué à un petit niveau régional, donc c'est vraiment ma première photo officielle au milieu d'une équipe de football professionnelle. Et bon, ça fait plaisir. C'est un moment intéressant, sympa en tout cas, très très sympa. Est-ce que vous avez un mot à rajouter ? Le mot que je voudrais rajouter au moment de la saison où nous sommes, c'est que le début de saison a été un petit peu difficile, il ne faut pas se le cacher. Moi, je suis convaincu avec la motivation individuelle et puis avec la force collective que finalement les choses vont très, très certainement s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je souhaite de mieux pour notre équipe. Les rimas, ils vont s'embrouiller. Oh, c'est sûr, ils vont s'embrouiller. Ah, tu vas passer qui ? Ça va s'embrouiller ?
On est bien là, on est bien. Là, franchement, on voit bien.